arnaquer. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ça bombarde. Les tanks qui font des essais. Bon, je suis à 36 kilos, ouais. Me demandez pas de courir trop longtemps. Hein. Ouais. On va se mettre en route, vous me suivez? Ouais. Deux petites secondes. La story. Un petit problème. Oui. Comment tu changes? Tu peux te prendre du matos. Voilà. T'as mon sac. Ah, c'est bon. Tu fais tab de leader pour tab. Charcot. C'est à dire qu'en fait ça va pas rentrer. Charcot, tab et tu et t'es mais pour. Si, bien pris, c'était juste un test radio. Ah merde, Vous m'entendez les gars? Oui. Comment on change le cadre à la 548? Alors en haut t'as une petite molette. Mais t'as pas besoin? Ah, t'es sur le canal 1. Si, on passe sur le canal 2 de la 548. Ah ok. Il faut faire clic droit, clic gauche pour changer de canal. Comme sur la 343. À coup, canal 2. Il a vu? Pas sûr. Ah, ça survole. C'est pas à nous, hein. C'est pas l'heure. Ouais, c'est pas mais ils nous cherchent. Putain, planquez-vous! Mais ne trouvons pas! C'est bon, Sardo? Sardo. Ses lèvres bougent. En train de parler, mais on entend pas. Et il a pas une connexion super stable. Moi je pas devant lui moi. Ça va être rigolo les tirs de GBU. Ah c'était lui qui tac. Oui. Ah ouais pas mal. Alors qu'il est pas le DLC Marksman, c'est pas trop gênant, mais il est pas une bonne connexion par contre, ça va être la méga merde. Je peux poser des charges hein, sur les EDSU, vous me couvrez. Non mais les EDSU c'est moi qui les défonce à la T. Oh oui, il se la pète. Ah ouais. Sinon, vous pouvez commencer à progresser sur le 300. Parti. 300, ouais. Je reste avec Sardeux pour le moment. Soyez prudent. Normalement, vous devriez rencontrer des rochers pour vous abriter. D'accord, mère grand. N'y va. Ouais, vous progressez jusqu'en haut de la colline, histoire d'avoir un visuel sur les EDSU. Ah, ça y est. On a rencontré un rocher. Jusqu'au rocher. Putain, on va être à découvert là. S'ils refont une passe, ils vont nous voir. Et. Ici bleu, pour information, la colline objectif semble très très. Ils repassent. À découvert. À couvert. Flanquez-vous. Enfin, couchez-vous. Ah, c'est bon. Ils sont passés sur la gauche. On peut y aller. Ben restez où vous êtes sur le moment. Hélico, audio, devant nous. Ouais, reçu. On serait bien sur le rocher, non? Ouais, je pense aussi. Allez, on avance, go. Sardo peut plus se connecter, TS. Mais si, il y est là. Ah oui, très très bon, Goya, j'approuve. Ouais, le petit trou là. Ouais, on est bien là. Ouais, on est bien. Ils peuvent pas nous voir, regarde, t'as vu la vitesse à laquelle ils passent. Ouais, et puis c'est-à-dire j'ai vu le dessous de l'avion là. Si le pilote nous voit, il est fort. Ouais, grave. Le leader pour bleu. On écoute. Est-ce que vous avez un visuel sur les ZSU? On est resté à couvert pour pas se faire hors des avions, on va passer de la tête. Je voulais savoir qu'on a entendu un hélico. Et on a apparemment entendu un hélicoptère. Je suis sur flanc droit. Et
Deux hommes, ZSU. Ouais, y en a dans la tour aussi. Dans l'escalier. Oui, y'a un hélicoptère qui arrive là. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Le truc d'Avengers là. Ah, c'est un VTOL. Ouais, c'est un VTOL. C'est un VTOL ça ? Ouais, c'est à dire qu'il a pas trop la même tête que l'autre. Et y'a un hélicoptère de l'autre côté là qui arrive aussi. Et on a pas mal de monde sur Erfurt. J'ai pas non armé. J'ai pas tout. Vous avez des jumelles, ouais. Ouais. Bleu pour chef. Et alors je suis juste derrière toi, Mystery. Donc tu me reçois vachement bien. Ah, ok. Bon, mais VTOL, hélicoptère, Ifrit, blabla, t'as entendu. Ouais, j'ai vu. Ouais, tu vois. On a pas de visuel sur celui de le ZSU de droite, par contre. Ouais, tu vas pouvoir déjà tester celui de gauche, je vais essayer d'aller prendre un visuel sur celui de, okay, de droite tire, avec Sardo. Comment? Je tire? Non, attends mon ordre. Quand okay. même. Et puis, prépare-toi. Ouais. Bah, c'est-à-dire que les avions ont décollé depuis 2 minutes là, donc. ouais, ouais. Ah putain! Ah. Ça va, chef? Là, je suis tombé. Ah merde! Ouais. Là, t'as besoin du médic traite, hein? Ouais, je vais avoir besoin de soins. Ben, à coup. Ouais, quelqu'un coup, a des et peut checker le 330. Ouais. Négatif, j'ai pas de jumelles. J'essaye de soigner. Romy. Ouais, il y a du monde sur le 330. Ouais. Akou, Sardo. Oui. Ouais. Vous allez essayer de passer de l'autre côté des rochers pour avoir un visuel. Sur le nord pour essayer de checker où est l'autre ZSU. Qui on passe par derrière. Une patrouille au 320 dans la forêt au loin. Je vais avec Akou, Wami. Vas-y, sers de quoi pour reste avec moi, Goya, pour allez. Oui. Lève-toi, tu vas te claquer. Répète, Mystery. Patrouille dans la forêt loin au 320. Bien pris. C'est ennemi cet avion? Ouais. Putain. Ici on va être bien là. On se cale sur ouais, le rocher là. C'est ça là. Ouais, je sais pas trop. Ouais, ça me. Nord. Ouais, ah, y'a du monde, ouais. C'est quoi ce truc là? C'est le champ de tir? Je regarde. En contrebas, c'est le champ de tir. Ouais. Là, coup. Bien pris, soyez informé que les ZSU ne sont pas encore traités. Donc la tour. Les... C'est trop loin pour que je vois. Tu vois la tour, toi? Tu vois quelque chose? Ouais. Bien pris. Mystery, tu vas pouvoir traiter. Du coup, leader. Leader, j'écoute. C'est confirmé, on a du monde, au moins une équipe sur le champ de tir et on a de l'infanterie aussi sur la tour. Plus un véhicule non identifié à gauche de la tour. Bien pris. Rejoignez-nous, s'il vous plaît, à coup. Je vais essayer de voir comment c'est. Bien. Pardon ? Ah, t'as des jumelles, petit bouquin. Je savais pas que t'avais des jumelles. Je perds mes connexions. Ah merde. Alors des fois j'entends plus. Ok. Là j'avais pas vu que t'avais des jumelles. Qu'ils ont engagé là. Ouais, audio hélico. Ouais, depuis tout à l'heure, ouais. Y'a un hélico qui traîne. Vas-y Mystery, suis-moi, on va aller traiter l'autre. Non, je suis pas Goya, sûr que... On est là. Ah. Allez, on avance. T'es où? Ouais, on avance où? Nous, on vient d'arriver. On avance là-bas, je suppose. Popcorn time. Hey. Ah, on se
Ouais. D'ici, Mister Est, est-ce que j'ai tu vois le... J'ai intérêt de l'alpisme, les gars. Ouais, attendez, recule un petit peu, laissez la place à Mister E. D'ici, normalement, tu dois voir le ZSU suivant. Il est en 20 plus bas. Cale là, viens là. Pas trop. Je suis une merde d'arma. Ok, c'est bon. Backplate clear. Tu peux tirer. T'entends un direct? Attendez, faut que je souffle là. Ouais. J'entends des bruits. Des détonations bizarres. Il y a des grosses explosions, non? Ouais, c'est bizarre, hein, ouais. C'est plus à l'ouest là-bas. C'est le... J'ai des explosions de grenades devant le l'ancien ZSU là. Fais attirer. Vas-y, Mestre. Je verrouille. Eh oh, ça va Velrid, tu vas te calmer? Je verrouille, feu. De leader pour Charcot. Je pense que je l'ai eu. On va se mettre dans la forêt au... Ouais, c'est pas 260. Dit. Allez. Tout le monde me suit. Dans la forêt, on se met en lisière militaire. Bon, les mecs sont descendus, mais il a pas explosé le truc. Hein. Bah, si ils sont descendus, c'est déjà bien. J'ai vu un mec descendre. On s'en fout, ça veut dire que l'avion peut intervenir s'ils sont descendus. Bah, ça dépend si c'est le pilote, alors que la tour est toujours active. Ah, oui, bah t'en as compté combien qui sont descendus? J'en ai compté un. Ok. Le leader pour Charcot. Bien pris, les antiaériens ont été éliminés. Tu vas pouvoir traiter au niveau de Hex si c'est possible, essayer d'éliminer un maximum de. Vidéo pour Charclot. Allez, allez, bouchez. Allez. Négatif à la roquette et... T'as pas de médic, on est d'accord? Oui, c'est moi. Ok. J'avais oublié que t'étais parti en formation, Goya. Je vais faire un petit briefing radio. Ouais à tous, donc le... On a perdu un avion. Merde. Après là on a notre... Donc Wilco qui va traiter sur X afin qu'on puisse s'y rendre.
Donc on attend qu'ils traitent et après on avance. Il y a trois mecs et je pense qu'on peut les tuer. On a perdu un avion. Où? Le leader bien pris. On a perdu football, ouais. Ok, ok, merde. Chier. Mystérie, je crois que je vois notre avion en flamme, effectivement. Ouais. Contact distance moyenne 330. En alerte. Deux hommes. Contact 330, deux hommes en alerte, distance moyenne. Pris Charco. Il y a un hélico aussi pour le descendre. À tous, on se met face au 330, on va traiter la patrouille. Retard, disparu, ils sont descendus. Je crois qu'ils sont sortis du visuel. Ils sont descendus, mais ils avançaient vers nous. On va se déplacer. À tous, on se remet en colonne et on progresse. Ouais. Ready to go. L'hélicoptère a l'air d'être sur Erfurt pour plus de précision. À tous en mouvement. Follow the leader. Bleu, vous traversez, rouge, on couvre. Ah, merde. Ils sont en terrain ici. Mystery, il est super loin, mec. Le leader pour Charco. Et on traverse Paris. Mystery, excusez-moi, je suis pas parti dans la bonne direction. Vous le voulez? Arès. À tout ce tour de ce petit buisson, c'est un peu risqué. Hein. Ouais, mais on est. Chef, on est dans une plaine, chef, faut qu'on bouge, chef. Ouais. On attend Mystery. Je suis là. Il est là. C'est bon, t'es pas trop crevé, Mystery? Non, c'est bon, je suis à 26 kilos là maintenant. Bon, ils se démerdent, hein. Carrément. Attends, tous, on se remet en route, tuez-moi. Putain. Il s'est gouré de place maintenant. Il prend sur lui, hein. Et maniez-vous, moi je reste pas en plaine comme ça avec un avion qui vole au-dessus de moi. C'est un allié. Ouais, c'est ce qu'on dit. Les traîtres, ça existe. Ah putain. Audio hélico. Un coup, ok, on a réussi à bloquer le chef. Eh, comment j'ai fait? Ah, désolé, Wabi, je t'ai vu partir dans les buissons et je t'ai perdu, je crois que t'es toujours devant. Ah, non, désolé. Non, c'est un arbre qui me bloque. Hop. Ah, je suis désolé pour ton football. Ici.
endroit. De leader pour Charcot, c'est très. Ah, tu fais devant moi un coup. Ah, zut, excuse. Quoi qu'il y a pas grand chose à voir, Flandroit. Je recharge, j'ai un freeze. Génial. Vous êtes là ? On est remonté plus haut. On n'a pas dit ? On est plus haut. Hein. Ok, j'arrive. On va la progression plein ouest. On est parti. Je suis. Oh. Wouhou. Ah, il avait l'air triste quand il tirait. Mmh. Un peu, ouais. Bien pris. Là. Ouais. Trop bien. Et si t'as la possibilité d'engager l'hélicoptère au-dessus de Erfurt. Non, on le cercle là-bas. On repart. Tu as la possibilité okay. d'engager la. T'es sûr ? Ouais. L'hélicoptère au-dessus de Erfurt. Ok, bien. Je suis. Désolé, on regrette, mais on est reparti. Ah putain, c'est complètement découvert. On repart, quoi. Ouais. Il est où? Ah 270 si carrément. Wow. Il est en visuel Mystery, je crois que tu vas pouvoir traiter. Il y a un bout de char, c'est que l'avant. Ah ouais mais ça suffit.
fait à deux leaders restent en attente. Vicari, prêt à faire feu. Ouais, bon, on va le traiter au... à la D. Mystery, tu peux vers feu, backblast clear. Il a l'inquisition. Verrouillé, feu. J'ai sorti, je suis en détruit. Cook, cook. Ouais, je réplique. On va sortir feu. J'ai plus un piqué. Feu à volonté, ouais. Je n'ai plus de roquettes. Problème. Ok. L'avion va traiter l'hélicoptère. Bonne nouvelle. Ouais, on va voir qu'il nous tombe dessus. Super Wilco. Ouais, j'arrive. Là, on continue, mais on s'arrête tous les mètres. Je peux pas être médisant, mais je crois que j'entends encore l'hélicoptère. T'es médisant. En fait, Sardo, c'est le mec qui bégayait dans l'équipe. j'ai embouché. Go. Go. Ils avaient besoin de soldats dans l'armée. Je suis désolé pour les bugs, mais c'est trop tentant avec Sardo. Je tente, merde. Il avance, où ouais, restez là. Je crois que. Je vais faire avancer bleu et avec rouge on va couvrir. Okay. Départ de coup. On prend des tirs. Nord-est. Ah c'est là-haut. Il roule, okay. Je vois rien. Ok, bah indique. Fumie à droite de la fumie. Je vais regarder l'arrière moi. Bien pris. Charclos. Clochard. Tout le temps l'hélicoptère au-dessus de notre gueule en fait.
gaffe, y'a un courant du Respire, respire, Sardo. Oh la putain, ça tire là. Ouais, c'est toujours la même direction. C'est pour ceux qui sont sur l'avant là. Ah, mais c'est... Respire, Sardo. J'essaie de respirer. C'est la pression là. Grave. Non, je vais le faire en chantant. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà l'hélico. Il s'apprête à faire une passe, j'ai l'impression. C'est quoi cet hélico là? Bleu, vous allez faire un bond juste au rocher devant. Oh. Ouais, c'est l'hélico qui nous tire dessus, il fait des passes, on est repéré. On a pas un avion là pour ça? Au-dessus de notre tête. Il y a un radar, il doit le voir mieux que nous. Ouais, c'est des avions, c'est des trucs du futur. Il nous a dit à Bleu d'avancer, hein. C'est ça, Wami, on avance. Ouais. Allez, go. Bleu, ouais, avancez jusqu'au rocher. On vous couvre avec Tardo. Ok, go. Je suis à droite. Allez, la go, gauche, il nous voit super bien. Si tu peux chauffer la droite. Il veut que ça pète, il aime quand ça pète, il aime quand ça brûle, il aime quand ça explose, il aime quand ça crépite, il aime quand ça grille, il aime quand ça brûle. Ok, tu vas à la droite. Pas sur l'avance. Je crois pas, il y a. On arrive en visu de la base là, enfin du secteur là. Il y a la carcasse du Bleu, est-ce que tu veux qu'on monte vraiment jusqu'en haut ou on s'arrête au rocher? Bleu, restez là pour le moment, on vous rejoint. Sur la droite. Pardon. On va se mettre en position pour les couvrir et. Bleu, vous allez avancer sur le. Sur X pour prendre la position, on vous couvre avec Sardo. Ok. Vous êtes en position? Attention, je passe. Ouais, attendez, on va avancer un petit peu. Couvrez nos arrières, surtout parce que vous verrez rien de là. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Bleu prêt? Bleu prêt. Je suis sur la droite. T'avances. Entre. Y'a un grillage infranchissable. Ouais. Une entrée à gauche. Ouais, une entrée à gauche. Et je passe par la droite. Y'a des contacts sur l'entrée. Rien à droite. Je vais monter dans le mirador. Dans le mirador. RS dans le mirador. Il y a de bleu RS. Il est rouge en bourgeois. C'est clean. C'est bon, c'est clean. Bleu, je te laisse installer un périmètre sur la zone. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens? Malheureusement, t'es mort, toi.
Ah, le CESAT, ses acrobates. Ah ouais, y a du matos sur l'aéroport. Je le vois pas. Quel endroit tu vois du matos? Ah non, mais c'est détruit, c'est détruit. Ah. Un rocher. T'as remarqué quand tu t'approches des rochers maintenant les armes elles se lèvent en l'air quoi. Pas moi je me suis retrouvé coincé dans le rocher. J'ai un scan thermique pour voir si je vois des choses. Il y a du monde au 20. Patrouille au 320 loin sur l'aéroport. Du monde sur l'aéroport. Il y en a encore à détruire ouais. Deux avions. Ouais. Trois, y en a un. Ah oui, 1 2 3 4 4 5 avions de pété. Il en reste 2. Moi j'envoie 2. 5 personnels sur l'antenne au nord. Bien pris Aku. Ouais, plus je crois. Ben, il y a un poste fixe sur le bunker. C'est le détonateur laser. Ouais, ouais. 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 Alors... Mais moi je vois pas. Je voyais pas que c'était un poste fixe à cette distance. Et j'ai vu. Oui. Attends, parce qu'il faut. Et il y a. J'ai vu un contact sur l'AA en feu. Ah. Ouais. On a visuel sur les. Un des contacts au niveau de l'AA est en feu là. Notre JTAC a trouvé comment utiliser son. Son désignateur laser sur contact. Non, descendu l'hélico alors dans l'action, j'ai pas entendu. Enfin, il a oui, ok. C'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a plus que notre avion dans les airs. Il a balancé des GBU partout. Il faudrait qu'il manque, il faudrait qu'il finisse l'aéroport là. Il reste deux avions. Ouais. Non, de toute façon, ils n'auront pas le temps de décoller, je pense. Ah, il en reste 4 des avions, mec. Non, les deux avions à gauche, les 3 VTOL sont détruits là. Ouais, mais il y en a dans les hangars à droite, regarde. Ouais, il y en a deux. Ouais, il y en a deux à gauche et un dans le hangar et un deuxième à droite. Non, les deux à gauche avions, ils sont détruits. Ah ok, d'accord. Tu m'entends, Wami? Ouais, je t'entends. Ou alors, je vois vraiment mal aux jumelles. Ah non, mais si t'as des jumelles, tu peux voir mieux que moi. Ouais, il y a plein de monde aussi au niveau du terminal, partout. Ouais. Donc c'est pas très clair quoi qu'ils sont détruits, les trucs. Ouais, de loin, c'est pas... Bah, c'était propre, hein. Non mais y'en a un qui est dans le hangar là, il va falloir détruire le hangar. Ah oui. Sauf s'il arrive bien dans l'axe et que Sardo cible, la bombe elle peut tomber. Un GBU ça détruit tout normalement. Ouais, vise plutôt le hangar à mon avis. Ok, y'a 3 mecs devant les containers. Défile en gauche. Ils sont même alertés les cons. T'as vu? Ouais, y'a des mecs sur la piste aussi, à droite des avions là. Ouais mais eux ils sont en patrouille comme des cons. Alors que les mecs là sont alertés. Est-ce qu'on va essayer de récupérer le scientifique après? Oui. Ils sont alertés, ils peuvent vite vite venir vers nous sans qu'on fasse gaffe. À gauche j'ai rien pour l'instant. Bien pris. Et toi Goya, t'as vu quelque chose? Il arrive. Non, je regarde un peu s'il y a derrière nous, il y a personne. Ah non, Sardo, c'est pas le moment de partir, hein. Sardo, reviens! Reviens, Sardo! Merde, il fait une crise de d'épilepsie. Quoique les mecs sur l'antenne là-bas, ils sont aussi en alerte, hein. ils sont pas sereins. Bon, vigilance, ah, attends, on regarde mais... ce qui arrive. Ouais, en même temps, l'avion qui passe au-dessus, forcément. T'es pas serein à leur place non plus. Ouais, je pense que c'est ça. Alors pourquoi il y a une espèce d'abysse qui passe au-dessus de nous depuis tout à l'heure? On a entendu des gros booms. On a plus de nouvelles de notre hélicoptère et de notre VTOL. Ah, j'espère que les bâtiments administratifs ils sont pas occupés. Mais j'ai vu une dizaine de mecs là au niveau des petits bâtiments. Ok, sur la piste ils sont en alerte. Mais on s'en fout, on va pas descendre nous. Ah bon? Je sais pas. Oh, c'est, l'avion il peut le faire là, faut pas déconner.
Okay, oh putain, là s'il a fait une bombe sur les, la piste là, il fait du monde là. Une petite Durandal sur le tarmac. C'est moi ou il y a du brouillard qui s'est levé là. C'est pas toi, c'est moi aussi, pareil. Un brouillard. Ouais. C'est fort probable. Ah, on est malin avec vos jumelles, hein. Ah. non, Sardo, il. Mais reste pas debout comme un con, Mystery, tu vas te prendre une balle perdue s'il y a des ennemis qu'on a pas vu qui arrivent. Merde, ouais, pardon. T'es debout. Je te vois droit comme un i. Sur un rocher en plus, c'est de bien. Grave. Là. Tu es moi. Mais c'est bon, il y a du brouillard, il va tu es moi fort, j'aime ça. Attends, j'ai lancé mes roquettes moi. Ah, genre, c'est bon, j'ai lancé mes roquettes, j'entre à la maison. Non, non, oh, t'as des balles, t'as un fusil, tu viens avec nous. Ouais, ouais. J'attends que Sardo il se reconnecte et. Ouais. Ah, c'est maintenant qu'il va faire une attaque sur l'aéroport là. Maintenant que Sardo il a choisi de déco. Sardo, faut mettre des fessées cul nues à ta sœur. I'll be back. Quoi, c'est ce qu'on fait dans ma famille? Putain, il est vite revenu d'empêche dès que t'as parlé de sa sœur. C'est ce qu'on fait dans ma famille. C'est le mec. On vit dans le Pas-de-Calais, hein. Nous on fait comme ça, hein. Bon, les mecs qui stream, qui regardent le stream là, si je joue mal, vous le dites. Hein. N'hésitez pas à m'insulter, à faire des clips et à balancer tout ça sur, sur Discord. A tous, l'avion va faire une pour engager. Ouh. Et il finit pas sur l'aéroport, c'est ça? Ouais. Hold your breath. C'est bon, je suis prêt. C'est bon, j'ai poussé ma distance de vue. Ah non, déjà, elle est déjà bien élevée la distance de vue là. Ouais, bah te la pète pas trop hein. Ça se la pète, ça se la pète, mais. Tu peux engager. Il voit mon laser? Ben tout à l'heure il le voyait dans l'eau. Mais c'est parce que t'as des coups en fait. C'est bizarre, c'est trop calme, j'aime pas. Y'a pas de visuel sur la cible, tu l'as bien allumé ton truc? Ouais, bah je vise l'avion du hangar. Attends, je vais viser l'autre avion. C'est qui qui a fait cette mission? Même pas. Random. C'est bizarre, c'est trop calme. Il sait faire des missions lui, c'est bizarre que ce soit trop calme comme ça. Il sait faire des missions lui. C'est difficile d'équilibrer une mission avec des avions. Ouais, c'est vrai. Ils viennent d'où? Je sais pas, d'en face. Je sais pas où ils sont avec le brouillard. Non. Trop de brouillard, vous ne pouvez pas utiliser votre laser. Et par temps de neige, hein, l'utilisation d'un laser, ça va être la grosse merde, non? T'as pas un autre désignateur laser, ouais. C'est... Non, à mon avis, il doit pas. Les micro-coupures de laser, il doit pas les capter, il doit rester quand même bien fixé, je pense. Genre le GBU elle va pas changer de trajectoire comme ça parce que pendant une microseconde il y a un flocon qui est passé devant le laser quoi. Tu sais, ça se reflète pile poil sur le mec qui est en train de s'y aller là. Un flocon qui passe juste devant la GBU qui se dirige vers le flocon. Un flocon ouais ça risque d'être un petit peu trop faible. Ouais. Ouais bah Valdry, je fais peut-être de la merde mais moi je joue. Pan. C'est fait.
Ça y est, ça passe, il va larguer. Ah putain, il est sorti de mon champ de vision quoi. C'est moche ça. Putain de distance de vue de merde. Mais il faut qu'il fasse une attaque depuis le sud-est là s'il veut le choper. Bah ouais, long de piste quoi. Ah sud-est tu dis quoi? Bah ouais, pour choper l'avion par dessous quoi. Il y a même pas besoin normalement avec le laser, il peut attaquer de n'importe où. Bah sauf de l'autre côté quand même quoi, mais... Moi je ferai un long... Je ferai en longueur de piste pour être sûr quoi. Trop con, les ennemis ils ont même pas mis... Eh putain, y'a des mecs! Contact, distance assez proche, 290 en contrebas, à droite, gauche des rochers. Deux hommes. Si vous avez la possibilité, vous pouvez engager. En celui de droite? Ils sont pas alertés, hein. On les abat ou pas? Il a lancé la GBU! Bon, je prends celui de gauche. Attends, je veux pas rater la GBU. Ah! Ouais! Elle est tombée! Bah voilà, on les a perdus, merci Mystery. Ça parce qu'il est pas capable de faire son boulot. Non, non, ils sont passés derrière le couvert les mecs. Ouais. Tu les as vus là? Parce que moi j'y vois pas. Ouais, ouais, bah ouais, ils sont passés derrière le couvert, couillon. Ils sont au 290 à droite. Oh couillon, attends, mais non, l'autre il va se cacher. Attendez qu'ils sortent. Ah. Voilà! Mais du coup, il a bougé l'autre! Allez, prends! Combien de balles pour qu'il crève? Allez, surtout, je dois mettre combien de balles pour le toucher? Je recharge! Attendez. Putain, on va y arriver! On est si mauvais que ça? Le brouillard se lève devant eux en plus. Putain! On est vraiment mauvais les mecs hein. Je sais pas combien. Et on a usé combien de balles là pour les avoir? C'est pas mis en j'ai mis un chargeur chaque... Oh bordel. Bon, vu le nez, je dirais qu'il n'y a plus de menaces sur l'aéroport là. Je confirme, on a éliminé des cibles à cet endroit là. Putain, sérieux, on est trop mauvais. Bon, je suis d'accord avec toi, mais on est vraiment mauvais. Négatif, les cibles ont été éliminées sur l'aérodrome. Je pense que tu vas pouvoir faire une passe sur... De toute façon, je viens... Faut vraiment qu'on garde les silencieux. Ah putain. Alors, une... Bah ouais, comme ça, ils nous ont pas bien vu. Bah moi, je tire à la traçante, alors tu sais. En évitant le bâtiment à l'ouest. Contact. Contact sur le 10. Négatif. 200 mètres. Cible à l'air perdu. À cet endroit-là et ah, vu. Je suppose qu'elle est dans le bâtiment et il faudrait pas le détruire. Merde. Contact plein nord. Ouais, deux hommes, défilé en gauche. Faudrait qu'il passe là. J'ai peur qu'on ait des mecs dans notre dos à un moment. Putain, c'est ouais, un moment aussi. Qu'on est resté là et on a pas bougé. Le leader. Il est encore en ville, leader, il t'a répondu? Ah, j'entends, il est oui, dans le coin. Est... Ah, il sort à gauche, à droite là. Ils sont là, c'est bon. Il est occupé. Les radars, ouais, ils sont en train de calculer. Pour, je suis sûr que Wiko est en train de le spam à la radio. Non. Vous avez vu les mecs, il y a les mecs au nord. Hein, ouais, j'en ai vu un passer juste avant que tu les tires dessus. Je les ai pas vus, je vous fais confiance. Moi, je suis passé à la. Je suis passé à la traçante, hein, perso. Pas très loin de la route.
Le mec est en bas, quoi. Je vais demander au gars de la GBU. Non, mais bon. Mystery qui prend le temps de poster un message, non mais je rêve quoi. Mystery, j'ai besoin de des connaissances en matière d'explosifs. Ouais. Tu vois la tour radio? Eh, c'est moi c'est moi le sapeur. Tu as besoin de mes connaissances à moi? En fait, je veux faire péter une GBU au niveau du Mirador sur la droite. Ça va pas faire péter le bâtiment à gauche. Sauf s'il vise très mal. Ouais, viser avec une GBU, ça devrait aller. Ah, avec le désignateur laser. Non, si tu le mets dans la pente, si tu le mets dans la pente en contrebas, là, juste en dessous, au niveau des pylônes, ça devrait aller. Ouais, enfin là c'était même le Mirador qu'on avait. Non, mais le Mirador c'est bon, celui de droite, hein, pas celui de gauche. Ouais, celui de droite, ouais. Non, mais bah ouais, là, c'est assez loin. Tu vises les pylônes en contrebas là, ça va être bon. Au pire, ça détruira les. Ça tuera les mecs sur le toit. J'étais là tout à l'heure ou c'était Goya là? Si on s'en fout, on switch un peu. Je suis décalé, j'ai pris la place. Je veux de pas la te piquer ta place, Goya. Mais non, mais on switch, on s'en fout, ça change un petit peu. Franchement, on est assez grand pour savoir quel secteur prendre. Ouais. Ça m'inquiète, les mecs là. Ouais. En fait, t'as rien fait plus que appuyer pour allumer le laser. Hein. Ouais. T'as un petit signe en haut et qui t'indique que le laser est allumé. C'est ce que je faisais. Après, c'est peut-être parce qu'il avait pas le bon angle, quoi. Et est-ce que t'étais en zoom maximum? Non. Bah, j'ai pas zoomé, j'ai pas cherché à zoomer, ouais. Mais je pense pas que ça change. Oui, juste pour le laser. Les gars, je vais aller faire un petit tour derrière pour voir. Ils sont juste en dessous de nous. Il y a un contact abattu, j'ai vu que lui pour l'instant. Il y en a deux normalement, hein. Moi, j'en ai vu deux tout à l'heure. Secteur. Secteur. Ouais, sur la fumée. Confirmé là, ouais, planeur en dessous. Putain, tu m'as 10 pieds, tu peux même pas viser en dessous. Ok, j'ai un. Contact à 290, statique debout, c'est pas à nous. Non, personne n'est là-bas à nous, hein. Merde, j'ai pas eu. Toujours au même endroit que les autres. Ah, y'a un autre. Départ de. Juste en dessous de nous là, à 100 mètres. Ah merde. J'ai pas. J'ai touché. Tu l'as eu? Ouais, c'est parce qu'en fait, c'est. Le bleu à leader. Le bleu à leader. Leader, j'écoute. Ça fait très longtemps qu'on est statique là, il faudrait qu'on bouge, je pense. Affirmatif, ouais. Hey Goya, s'ils étaient deux les mecs là, je sais pas où il est le deuxième, hein. C'est celui qui a le dernier qui a eu Mystery, je pense. Ah mais j'ai eu deux mecs à gauche là. Ouais non mais ceux qui étaient juste devant nous là. Là bah... Vous êtes C'est ceux-là hein. Non j'ai eu un mec au nord et après il y a eu deux Gugus au 280 là. Ouais ils fonctionnent par... Un autre mec au nord, en fait. Bah, ils fonctionnent par binôme, il doit en rester un au nord. On se déplace Ouais. On tente un coup de GBU et on se déplace juste après. Qu'est-ce qu'on fait? On descend ou... Pour être sûr ou pas? Mystery est descendu. Ah, Mystery il veut aller à la chasse. Non, je regardais les cadavres.
bleu, restez où vous êtes pour le moment, hein, on va... Je préfère qu'on reste là, ça a l'air plutôt safe. On se fait pas engager là, enfin à chaque fois vous engagent pas les patrouilles qui viennent vers vous. Bah elles viennent vers nous, c'est ça le problème. Et il y en a un qui traîne, on l'a pas, on sait pas où il est. Ouais, checker son collègue, voir s'il est pas aux alentours. Il était à quel endroit à peu près celui que vous avez... Il était au 10, juste après la route en bas. Ouais, bah vous allez pouvoir avancer jusqu'au petit bout au niveau du 10, mais faites ça prudemment. Et après vous pouvez revenir sur nous. Ok. On descend ? Restez pas en bas trop longtemps. Okay. Tac, on est la prudence incarnée de toute façon. Ok, reçu. Bon, ça me saoule, je sais pas pourquoi il prend le visuel. Attends, retardo, ouais. Bah, il va faire une passe à la roquette, bah. Ouais, mais c'est chiant, putain. Bah, ouais. Ouais, bleu, on vous rejoint au niveau de la forêt. Continuez votre progression. En l'endroit. Droite. Rendez-vous, vous êtes cerné. On traverse ? Ouais, je couvre. Traverse. Je regarde le carton. Okay. Il est mort où l'autre là ? Et derrière nous. Ah, il était derrière nous. Ok, donc son pote, s'il est là, il est loin déjà s'il était avec lui. Ouais, t'as vu Tardo et cette fois. Non, on a bougé, je vois pas. C'est vrai qu'il passe plus de temps à écrire des messages sur le chat qu'à jouer. LOL. Sur le chat, quel chat? Bah le stream. Ah. En fait, ça le fait rire de voir ses propres exploits. Contact, droit devant, 40, après le carrefour, dans les buissons, 2. Merde alors. Oui. J'ai... Engage. Prêt. Oui. Attends, il court. Il y en a juste derrière, à gauche. On a des contacts, on le engage. Engagé, ouais. Putain, vas-y, retourne. Connard, mais je suis vraiment un sac à merde ce soir. C'est bon, il est traité, sud droite. Vous en avez vu un de gauche aussi? Ouais. Dans la fumée, je sais pas. Parce que j'étais un abruti. Ouais, j'en ai vu que deux aussi. Ils sont en binôme, j'ai l'impression. On a pas de lance-grenade avec nous? Négatif. Non, y'a plus que toi qui a des explosifs normalement. Et le chef, il a quelques trucs, je crois aussi. Ouais, mais j'ai pas de lance-explosif avec moi. Ouais, j'ai des explosifs, ouais. C'est vrai, j'ai des explosifs. Et on va progresser. C'est qui en fait qui lead bleu? Je sais pas, c'est un peu qui veut. C'est personne. Ouais. Je pense qu'on est tellement rodé qu'on arrive à se gérer en fait. Ouais. Donc là on est où? On est ici à peu près. Est-ce que vous êtes sur. Bah, sur il met toi sur carte, je vais vous montrer. On est là. Ouais, c'est ça. Et notre but c'est d'aller là. Voilà, c'est ça, Mystery. Je vous laisse prendre la tête bleue. Et voilà. Et on se met en route dès que vous êtes prêts. Prêt, Gouillard, prêt.
Ouais. Mystery, t'ouvres ? Il est où ? Mystery, t'es prêt ? Parti. Départ de coup droite. Derrière. Proche. C'est le mec tout à l'heure là. Putain, ouais, ouais. C'est quand Mystery est passé. Ça va, Mystery ? Ouais, c'est bon. Moi j'ai entendu arrière droit. Oui, maybe. Ça. Il est où l'enculé? Enculé. Viens, Non, t'as pas de couvert, fais gaffe. Hein. Vous êtes où, les gars? On est derrière toi. C'est bon, ils l'ont vu, ils traitent. Ah, c'est bon, ils l'ont. Allez, hop, on y va. Voyez, on avance. Traité. Putain, t'as vu hein? T'as vu qu'il était là encore ce connard? Je sais pas où il est passé. Oh, regarde le relief là, il est marrant là, juste sur la gauche là. Putain, c'était cool. J'adore cette carte. Ouais, ouais, non, mais les petits mouvements de terrain, j'aime bien. Je trouve ça cool. Il y a des buissons là. Ils sont super intéressants sur cette carte. Enfin, sur cet environnement. Part de coup, flanc gauche, c'est pour... pas pour nous. Béa, t'es là? Je crois qu'il est resté avec le reste. Bleu, c'est trep. Les bleus ont avancé, on est plus loin, on n'a pas de nouvelles de Goya. Il y a... Goya, t'es où? Ouais, je suis à l'arrière. Il y a une patrouille entre vous et nous, je pense. Négatif, je crois qu'elle est sur le flanc gauche. Nous, on n'a pas de visu. Il est de 10 mètres, on a une fumigène sur notre sud-ouest. Et un contact à 10 mètres. Alors pour info bleu, on est au niveau du deuxième carrefour en 028-127. Ouais, reçu, j'ai repéré votre position. On est au niveau du premier carrefour et il y a des contacts qui se sont installés entre les deux carrefours en fait, entre nous. Mist, viens, on prend ce flanc là. Ouais. Ouais, ouais, je suis en contrebas là. Le mec il était au-dessus là, à gauche. Tu l'as traité? J'en ai eu un qui a surgi derrière le buisson. Pour rejoindre. Ok, d'accord. Chef, la fille... je peux plus courir. C'est pas lui le médic? Je sais pas. Ouais, si, c'est lui. Ok, moi je vois rien d'autre. Ah, mais ils étaient plus à gauche. Hein. Ouais, je sais, mais je regarde, je check. Ok, de l'avance de bleu, on a traité un contact entre nous, donc je sais pas si vous avez traité des contacts. J'ai croisé deux cadavres sur les buissons là, la zone est clear normalement. Affirmatif, rejoignez Charlie, on est sur Charlie. Charlie? C'est où ça? Ils ont avancé, donc ils sont là là. Mais c'est où Charlie? Oui, mais ah, putain, Wami. Et là, Wami. On est là. Ah, c'est bon. Je crois que Goya aurait besoin d'un médic. Ouais, bah t'es pas Goya le médic? Je crois que Goya aurait besoin de Goya. Mais j'ai pas de trousse de soins. C'est con. Mais chier, j'ai pas tous les points. Y'a pas une option S pour copier tous les points d'un joueur? Putain, ce serait cool ça. Mais y'a des trucs. Essaye là, je vais voir si t'as pas un truc sur moi.
Arme, tapez sur. Pourquoi j'ai arme sur toi? Je peux vérifier la température de ton arme? T'as pas tout. Non, c'est bon, je suis désolé. Non, je peux te passer des chargeurs, mais je peux pas prendre copier ta carte. Ce serait pratique, c'est un truc pour les recos. Tu vois où tu peux copier, hop, tu copies tous les points. On va s'occuper des scientifiques là. Hein. Ouais. J'ai hésité le fait qu'on se fasse engager, mais je pense que maintenant qu'on y est. Ah, de toute façon, il y en a des patrouilles. Goya. Ouais, je suis allé me soigner. Y'a l'avion? Y'a ravitaille? Ouais, il est parti ravitailler. Ok. Non, ça a l'air clean, on croise 2-3 patrouilles, c'est normal, c'est parce qu'on est resté fort statique là sur le point, c'est tout. Ouais. Oh, ça tient encore. Ça, c'est du snipe. Mais décalé pour pas qu'on soit en tas. Hein. Ça, c'est du snipe. Ouais, ça pue le snipe, ça. C'est bon, on peut y aller, je suis bon, je suis paré. Là, Ah, c'est bon. Sur le 220. Cible sur le 220. Sur l'arrière. Ah, flanc droit. Ah oui, proche. T'avais pas de lèche. C'était proche de l'autre côté de la route, au silencieux. Traité. Par vous? Oui. Non, je croyais que... Oui. Frag. Frag, avance-toi. C'est bon? Ouais. C'est bon. Ouais, contact effectivement sur l'est là. Le long de la route où on doit aller pour le scientifique. Wami, ça va? Moi, j'ai du contact sur les arrières aussi. Faut qu'on bouge. Allez, on avance. Bleu, on avance en ligne si tu veux. Bleu, on progresse. Allez, hop, go. Okay. Avec toi. Viens, Sardo, on va se mettre un peu plus par là pour. Moi j'ai vu des cibles par là donc elles ont été traitées. Derrière nous. Il y a une gauche, je suis sûr qu'ils sont morts, hein. De droite. On progresse bleu, on progresse. Il est mort, c'est bon. Cadavre à droite. Ok. Alors ici, 2, 3. Wouh, joli lui, il a des sacrés abdos, même mort. Bleu, on a continué la progression. Bien pris. Faut pas qu'on prenne à gauche pour monter là? Oui. Ouais, sûrement. Y'a une route à gauche là? Non mais c'est pour pas suivre toute la route parce que... Je sais pas. Quoi que tu me diras. Ouais, on pourrait passer à gauche, mais bon, je sais pas. Non, mais attends, on n'y est pas encore là au croisement. Non, mais c'est à dire que si on arrive au croisement, on... Ouais, non, mais je le vois le croisement là de toute façon. Ah oui, d'accord, mais c'est juste devant. Ah oui. À gauche, ça monte. Ok, de bleu, on vous attend un petit peu avant le croisement. De bleu, on est sur votre position. Toi le chef, tu nous dis ce qu'on fait. On temporise un petit peu, je reprends mon souffle et après on pourra se mettre en route. Profitez-en pour repacker vos munitions si vous avez besoin. Ouais, je sais pas si c'est le bon moment. Non, je peux même pas. Sur flanc droit. Aussi.
progresser en partant sur le 320. Ok. Prêt? C'est parti. Ok. Et hop. 320. On va le buter. Il y a un mec sous le mirador. On va le buter aussi. Oh oui. Contact sur le mirador. On va avoir un grillage devant nous là. Il entre à gauche. Je peux pas passer à droite. Ok, on a un MRAP sur zone. Je sais pas s'il est occupé. L'Ifrit, il faut se le faire au titan. Ah, mais il est pas armé, l'Ifrit de gauche. Ah, oui. Et toi, j'ai plus de roquettes. Il y a deux contacts dans le mirador. Il y en a un au niveau des escaliers et un où on voit juste la tête dépasser. Je crois qu'il a naté en plus, le gars. Ok, double leader, est-ce que tu veux qu'on engage ou est-ce que tu veux continuer à s'insérer? On va engager. Ok, il y a une patrouille qui défile derrière les blocs de béton à gauche, il se peut qu'on les ait en visuel d'ici peu. Avec Chardon, on les a en visuel très très bien. C'est le moment. On engage. F, ouais. Je sais que t'es pas mort. T'es pas semblant. Ok, le mec sur le mirador fait semblant d'être mort. Soyez prudent. Il est où Akou? Ah. Akou, Akou, remonte sur le 300, on est au-dessus sur la colline. Merde, il est où Akou? Aïe. Le leader pour Charco. Akou? Ouais. Ah, il est là, il est devant. Je suis là. Ouais, je passe devant. Il y a un truc dans le mirador, c'est bizarre à gauche là. Faudrait pas que ce soit le mec qui soit accroupi. Si, il est accroupi là, à tous les coups. Tu le gardes en visuel au cas où? Il est accroupi, ouais. J'y vais. Il lève la tête. Ça sent pas cette route là. Mais si. Regarde l'avant, oui, je vais m'occuper des flancs. Attention bleu, le contact le mec dans le. Dans le mirador. C'est bon, allez, on y va. C'est pour. On a. Quoi? Arrière. Ok. On a un pote à terre là. Ouais. Ah merde. Wami, Sardo, c'est lequel qui est de vous qui est à terre? Je crois que c'est Wami. C'est qui parle? C'est qui est qui nous fait dos là? Il est couché. C'est Sardo. Sardo, tu me reçois? Ouais, contact arrière, je crois que Waomi a été touché. Ah, ok, Fumi, déploie Fumi et rapatrie Waomi un peu en arrière, on va essayer de friser. On te couvre. Le contact a pris une balle, je l'ai vu tomber mais je sais pas s'il est mort. Fumi déployé, je vais essayer de le récupérer. Je couvre le mirador. Tac. Goya, t'avances sur le grillage, tu vas voir Wami. Reçu. Histoire de pas perdre de temps.
S'il est pas mort, on sait jamais. T'as quand même l'air de faire méchamment la gueule. Hein. Ouais, ouais, j'avoue. Sardo, t'avances pas trop, t'avances pas trop. Je vois pas où est son corps. Ah, t'es passé là, normalement tu l'as dépassé. Il y a de l'arbre à droite. Putain, ils sont partout ces enculés en fait. Ouais, il y en a vraiment partout. Chef décédé. Ah putain. Bon, je vais reprendre le lead. Venez, on se rapatrie sur moi. Je vais prendre la. Prenez... Quelqu'un peut prendre sa radio ou je vais la chercher? Affirme, je la prends. Ok, tu me la refileras après. Pour l'instant, tu la prends. On se regroupe, on va passer à l'assaut de la base. On a toujours les contacts arrière. Hein. Oui, t'inquiète pas, on vous couvre pour l'instant. Revenez, regroupez. Je peux pas prendre la 117 et, parce qu'il faut que je change de sac. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Sardo, tu peux? Non, négatif, je porte quoi que je peux abandonner le truc de l'OTAN là. C'est quoi le truc de l'OTAN? C'est pas primordial, les gars, c'est pas primordial. Ouais, je prends la 117. Il était quel rôle, Sardo? Bah, c'est le JTAC. Ah ouais, ouais mais il a pas, il a rien dans son sac. Ah pas, mais si il a une tourelle visée laser type. Oh ouais, ok, rien à branler, il y a un vecteur de toute façon. Mais de toute façon il va pas s'en servir, il a pas le DLC Marksman. Ok les gars, c'est bon, si vous prenez la 117, maintenant vous regroupez sur nous, on va passer à l'assaut de la base. Aussi on arrive. Protocole vis-à-vis des contacts non morts au sol. Non morts? Oh, j'en ai rien à branler, moi, on achève. Un escalier est pas mort, en fait, là. Ah, vas-y, vas-y, achève-le, j'ai pas réussi à l'achever tout à l'heure. Personne n'en saura rien. Oh, je suis pas sûr, faudra s'approcher. Non, si on fait pas de prisonnier. Non, pas de prisonnier, on a pas les capacités pour, là. Ok, Mystery, Goya, moi, Sardo, tu fermes. J'avance. Ok. Attends, Goya, Mystery. Ça va, pas fatigué? J'ai la 117. Bon, hein. Ok, je te la prends après, pour l'instant on fait l'assaut. Si t'as des contacts avec le... Je sais plus comment c'est quoi son call sign, tu me le dis. Ok. Charco 1. Hein. Charco, ouais. Charco. Fais gaffe en montant, y'a peut-être un mec Mystery. Limite, balance... Tu vas attendre qu'on s'éloigne et tu balances un greu. Mystery, c'est dangereux comme ça. T'as pas entendu, hein. Ok, d'accord. Attention dans le bâtiment derrière toi, Goya, ouais, y'a des fenêtres. Ok, Goya, tu prends le coin gauche de la maison là. J'y vais. Sardo, tu vas avec lui. Mystery, avec moi sur la droite. Laisse-toi, Goya. Attends, ouais. Tu peux redescendre, vous l'avez eu? Ouais. Ah putain, vous l'avez pas eu? Dans la maison? Non. Au nord, à l'extérieur de la maison. Ok, maison clear. Attention le mec. Le mec bunker, derrière bunker. Audio. Ok, je suis sur le MRAP. Ok, on avance. Mystery, t'es dans le mirador? Ok, il est derrière. Mystery? Goya va sur le mirador, il y a Mystery qui est tombé, va vérifier, je continue avec Sardo. Sardo avec moi. Reçu. T'es derrière? Ouais. Merde, je recharge. Ok. Avec moi, on va passer à l'intérieur. Bah, je sais pas si ça sert à grand chose. Ou non, c'est bon, il y a le scientifique. J'ai fait le baiser. Mystery décédé. Oh merde.
Ok, bunker secure, on a le scientifique. Oh, fait chier. Ok. Vas-y, pose le sac, je vais te filer le mien. Regroupe, Goya. Ou reste dans le Mirador et fais assure notre sécurité à 360. Enfin, ce que tu peux. Aussi, je retourne dans le Mirador. Je prends les charges explosives, je te passe le sac. Ouais, bah change juste le sac. T'échanges le sac. Hein, te prends pas la tête à poser par terre. Hein. Tu t'échanges juste les sacs et c'est bon. J'ai pas d'autres sacs moi. Ah, mais t'en as un toi ? Bah, ta 117 elle est dans un sac. Donc tu échanges les deux sacs. Ouais. Putain, je sais même pas ce qu'il fallait faire du coup. Mission. Non, détruire. Je t'ai laissé une sacoche. Je prendrai l'autre. Ok. Mec, ça marche. Hop. C'est quoi notre call sign, Anne? De leader à aviation, je sais plus quoi. Charcot, Charcot. Leader à Charcot 1, leader à Charcot 1. Sardo! Oui. Sur le Mirador avec Goya sur le sud. Attention, est au niveau de l'antenne, ils vont arriver sur vous. Sur le Mirador avec Goya. Tu veux pas que je remonte? Non, non, sur le Mirador avec Goya, sur le Mirador au sud là-bas. Tu te passes derrière la maison. C'est reçu, je t'envoie Sardo. Et comment on va faire pour l'extérieur, c'est scientifique? Qui était nettoyé, là il y avait un ZSU, il y avait un ZSU. Putain, Mystery, j'espère que t'as baisé celui-là de ZSU. Ok les gars, vous me recevez? On va se faire encercler. Vous me recevez? On va emprunter le MRAP, je pense, avec le scientifique et on va dégager avec par la route. Goya, est-ce que tu peux me confirmer que le ZSU tout à l'est sur la côte a été traité tout à l'heure par Mystery? Affirmatif. Ok, c'est simple, on va prendre le MRAP, on embarque le scientifique. Je vais l'embarquer, je vous fais signe, vous montez dedans. Goya, tu conduiras, tu suivras la route, tu nous emmènes direct, la route la plus simple qui mène vers le ZSU. On trace, on va jusqu'à Urashibe, et Urashibe, on embarque, on dégage. Reçu. Ok, je l'embarque, à mon signal, vous venez. On a de la présence encore, est-ce que c'est bien raisonnable? On est plus que 3, j'ai pas de nouvelles du JTAC, donc on se démerde, on se casse de là. Reçu, on te couvre. Tu couvres le sud, tu es... Aidé, on a fait tout ça pour toi, alors t'as pas intérêt à claquer. Ok les gars, on vous embarque dans les MRAP. Fais gaffe parce qu'il y a les mecs. Fais gaffe, il y a peut-être un mec au niveau de l'antenne. Ouais, c'est bon. On aura le blindage. Tu conduis, Sardo à l'arrière, moi à l'arrière. C'est bon. Eh, il est pas descendu cet enculé. Ah, ok, vas-y Goya, c'est bon. Trop classe, c'est un jeu. Tardo, il est bon? Ouais, ah, on est bon. Parti, go. On va compter sur le blindage. S'il faut s'arrêter, je te dirai quand t'arrêter, d'accord? Là, je prends la route, je continue la route ou... Ouais, tu continues la route. Tu continues sur la route. Attention, il y a un mec peut-être sur la gauche. Ouais, on s'en fout, on est en blindé là. Okay. Tant qu'ils ont pas de lance-roquettes, c'est bon. Et si on trace assez vite, ça ira bon. Tout droit là au croisement. On va sur le land tout à l'heure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, on va couper là. Là, tu prends à gauche.
Fais gaffe parce que le champ de tir, faudrait qu'il y ait des chars. On s'en fout. Ouais, non, y a pas de chars sur le champ de tir, ils ont été repérés sur la côte. Plus au nord, par au nord, par au nord, t'as loupé la route. Par au nord, ok. Voilà, tu prends la route à droite là. T'es là, là à droite ? Ouais, ouais, tu, non, tu suis. Non, tu suis. Ouais, ça marche. On va passer devant le champ de tir, il se peut qu'on prenne des tirs, mais normalement ça devrait aller. C'est l'infanterie de base, si tu passes vite, c'est bon. Au carrefour, tu prendras à droite, en face, tout en face. À droite, en face, Rousseau. Ouais, pour l'instant, vas-y, continue droit pour l'instant, je te dirai. Ok, au prochain carrefour à droite. Reçu. Nickel. Ok, c'est pas grave, on y va. Dans 100 mètres, tu sors de la route à gauche. Ou sur la plage, on débarque, on sécurise, 360, et après je sortirai l'otage une fois qu'on sera sûr. Ok, c'est bon. On sort, sécurisation. Reçu. Oh merde! Il y a une montagne. Ok, Goya Sardo, vous partez en binôme, vous commencez à ouvrir vers l'est là en contournant le rocher par la droite, forcément parce qu'il nous coupe la vue, et moi je suis avec le scientifique. Reçu. Putain, ça c'est vraiment pas de bol. On va trouver le petit point. On suit la plage, correct? Correct, vous suivez, vous allez trouver les RHIB, vous sécurisez les RHIB, j'arrive avec le prisonnier. Enfin, le prisonnier. Hey, connard. Tout ça pour ta gueule, on a perdu Wami. Une mystery. Ils sont pas sur place les RHIB? Merde, ils sont pas sur place les RHIB, il faut les appeler ou qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils sont pas en visuel, est-ce qu'on est sur le bon endroit? Derrière nous, ils sont sur le rocher. Il est. Épave. Ah ouais, c'est une épave. Non, c'est bon. Relâcher le prisonnier, non. Si. Ok. Bon, relâcher, c'est un peu tendancieux. Ok, reposez-vous, celui-là il a l'air d'être en état de fonctionner. Sardo, tu vas le piloter, je vais le pousser à l'eau. Vas-y, monte dedans, je vais le pousser à l'eau. Sardo, monte dedans, je vais le pousser à l'eau pour éviter qu'il s'envoie, qu'il s'en aille au large. Tu peux? Voilà, allez, je te pousse. Ah oh oui, génial. Attends, je vais te le pousser par là. Allez, pousse. Poussez, madame. Super. Bon, je peux pas le pousser. J'essaye. Vas-y, essaye. Sinon, je le bougerai avec le MRAP. Ok. Attends, je vais lâcher lui d'abord. Ouais, laisse-le dans un coin, lui. Il pourrait se prendre une balle perdue.
Écoute Goya, essaie de le pousser, vas-y. J'ai poussé, ouais. J'en ai essayé de pousser un Sardo. Marche pas ? Négatif. Ok, reste là en couverture et je vais chercher le M-Rap. Je vais chercher le M-Rap pour pousser le bateau dans l'eau. Putain, je te jure. C'est parce que je l'ai poussé dans le mauvais sens. Audio véhicule, c'est moi. Merci. J'ai hâte de savoir ce qui est passé, ce qui est arrivé. Oh, j'y tac, on casse là. Ok, tu peux éloigner le prisonnier s'il te plaît pour pas pour que je puisse faire une manœuvre. Ouais, reste dans le bateau, Sardo. Je sais pas qu'il va rien t'arriver, mais au cas où le bateau il se barre, comme ça tu pourras le rapprocher. Sardo, il est mort, imagine. Putain, il est bloqué, ce con. Ok, on dirait que tout est bloqué. Sardo, ça va toi ? Ouf, garde public. Ok, génial. Ok. C'est peut-être à cause des filets. Oh, c'est qu'il est coincé là. Ouais, je me demande si c'est pas à cause des filets. Sardo est pas là en fait. Il est pas déjà ouais, je viens de voir. Au moins il est descendu. Ah, peut-être que là on peut. Tu peux le pousser. Ouais, je peux. Ouais, nickel. Écoute, je vais monter à bord, tu le pousses. Ok, je vais mettre le prisonnier dedans. Ouais, si tu veux. Histoire que ce soit sécure. Prisonnier. Action. Embarqué. Il faudrait faire gaffe au Sardo, je sais pas où il est. Oh merde, il est derrière le bateau, attends. Ah merde, putain, tant que voir. Et je peux pas le. C'est pas moi le lead, je peux pas le. Toi non plus. Ah c'est bon, vas-y, vas-y. Je vais essayer de pousser, je vais voir si ça marche déjà. Vas-y, tous tes muscles. Putain. Vas-y, ah, c'est bon. Allez, vas-y, je sens ta force, vas-y. Ah putain, de Dieu. Ah c'est bon. Il va le faire. Attends, on va attendre Sardo. Ouais, il va être reconnecté. Il y a des mitrailleuses ? Non. Et c'est un homme armé, ça. Je sais pas ce qu'il faut faire. Regarde à l'arrière. Il est où Sardo là ? Il est au niveau du MRAP derrière, allongé comme un con. Ah oui d'accord, j'avais pas vu. Ah oh, mais tout à l'heure j'ai pas vu le. J'ai cru que c'était une carcasse de bateau quoi. Ah ouais non mais j'avais même pas vu capter qu'on les avait dépassés moi non plus. Pareil. Ok. On prend les rachibis, on se casse. Donc, Sardo Ok, message du QG reçu. Attends, je contacte le QG. Ok, QG Carter, message bien reçu. Nous évacuons la zone, nous évacuons la zone. Je répète, nous évacuons la zone avec les scientifiques. Mission partiellement réussie.
un scientifique, ça n'a pas de prix. Exactement. Ça va lui coûter de sacrifier deux avions, deux pilotes et je sais pas combien d'hommes. Ouais. Bah t'as ramené une gifle, s'il te plaît. Il y a un super scientifique. Il y a droit pour des vidéos. À toutes les autorités, je considère la mission comme une réussite totale. À vous les studios. Wouhou! Ah, je sais pas où faut se barrer avec le bateau. Mais je trouve pas. En pleine mer, c'est déjà bien. Je coupe. Ouais. Ah oui, t'es admis, vas-y, coupe.